Salut tout le monde, c'est Rookie de retour sur Warzone. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'atout éclaireur de combat. En général, les atouts que j'utilise, les voici. C'est donc alpiniste pour réduire les dégâts de chute et donc sauter de beaucoup plus haut. Pas de course pour se déplacer plus vite, grosso modo, et avoir un screen tactique qui se régénère plus vite. Trempé pour avoir deux plaques au lieu de trois et donc se replaquer plus vite. Et alerte maximale pour que l'écran s'allume du côté où on nous vise, et j'ai gardé ces mêmes atouts, mais j'ai remplacé alerte maximale par éclaireur de combat, où en fait quand vous touchez un ennemi, bah, ça le ping, ce qui fait que vous pouvez voir ses déplacements à travers les murs, vous pouvez essayer de tirer à travers le mur, mais surtout vous anticipez mieux quand il va pique, en fait, quand il va essayer de décaler pour reprendre le combat, et ça peut aussi permettre de voir ses déplacements pour vous aider pour les rotas, etc. Et du coup j'avais envie d'essayer, et c'est toujours aussi fort, et j'avoue que je me tâte maintenant à garder éclaireur de combat au lieu d'alerte maximale. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout régalez-vous bien avec le gameplay, et je vous dis à la prochaine tout le monde. Alors juste avant de vous quitter, petit quand même aperçu de ma classe, couteau de lancer pour tout ce qui est mortel et fumigène pour tout ce qui est tactique. Ça c'est ma classe, donc STG 44, et ça c'est ma classe statique à jouer full méta. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde, à la prochaine. Soldats ennemis en approche.